Hey salut tout le monde et bienvenue sur Francis Gaming, on se retrouve pour un nouvel épisode sur GPS4 avec l'Ethiopie. Alors ça va être assez compliqué, il faudra qu'on euh, passe des mois, des mois, des mois. D'abord on va arrêter cette insurrection euh, qui, qui commence un petit peu à, à me chagriner. Allez hop. Détruisez-moi ça, messieurs les militaires. Merci, c'est pas mal. Et maintenant on passe des mois. Nous avons, maté le mouvement... oui, oui, nous avons maté le mouvement insurrectionnel. On passe un mois, voilà. On va voir ce qui va se passer pendant un mois. Attention à la croissance MDR. Finances publiques, ben oui, c'est sûr qu'on baisse. Là, on est vraiment mal. C'est pour ça qu'il nous faudrait qu'on passe la no une nouvelle année. Oh putain, en plus on a l'attentat. 98%, je suis plus à 100. C'est la première fois. C'est la toute première fois. C'est pas mal. On est heureux. On vit bien. Conflit contre l'alliance. Hein Putain, j'ai cru que c'était un... devenu un mouvement terroriste. Bah ben, je crois que oui, c'est devenu un mouvement terroriste. <laughs> MDR. Euh, J'espère pas. <laughs> ça, serait, ça serait un peu dommage. Surtout pour moi. <laughs> que ça devienne un, un. une organisation illégale. Bon. C'est pour ça que je fais passer un mois parce que je voudrais qu'on soit en décembre. Et qu'en décembre, on puisse passer assez rapidement. Donc pour le moment, ça va, ça, ça passe, on prend le temps. Vous savez qu'est-ce que je suis en train de faire là En même temps, je surveille bien sûr euh, GPS-4 parce qu'il faut que je fasse. Mais je suis aussi en train de regarder Camtasia, ben oui. Parce qu'en même temps, il euh, faut que j'aille sur Camtasia pour euh, rapetisser... Pour rapetisser rappetissir, je sais pas comment on le dit, mais pour euh, que le dossier, euh, vous savez, quand une vidéo c'est lourd. Et ben quand je le passe sur Camtasia, je mets aussi l'outro, etc, etc, le, le, le fichier, la vidéo, le fichier de la vidéo est moins lourd. C'est pour ça que je la passe tout le temps sur Camtasia. Et je le fais toujours, je le passe toujours sur Camtasia. Donc bon. Ah bon, on est le 13 novembre, on doit être un voilà, très bien. Ah, on a une petite inflation, elle monte. Et hop là, on passe un mois. Et oui, on passe un mois. On attend ce que ça va donner. On va voir. Et après si ça marche, tant mieux. Si si, euh, si on a des gros problèmes, bah, tant pis. Euh, on va vraiment être dans... Le... On n'est vraiment pas bien là. Franchement, je suis un peu déçu. J'ai toujours du mal avec les pays africains parce que je vais trop vite. Mais dans, dans tous les jeux, hein, je veux toujours aller trop vite. Vite, vite, vite c'est une petite pression que je me mets parce qu'il faut aller vite, sinon ça va pas plaire. Si on prend trop de temps, c'est chiant, les gens ils vont pas regarder. Donc je me mets toujours cette pression de vite. Allez, il faut aller vite. Et je me pose la question si c'est vraiment une bonne solution. En soi, non, c'est pas forcément une bonne solution, mais bon. Au moins ça intéresse grandement certaines personnes à regarder. Donc, je suis très content. Je suis content, mais euh, ça reste un peu euh... décevant. Je suis en train de regarder mon micro en même temps. Ouais. Allez. Bon, hein, comme je vous l'ai dit, là pour le moment, c'est pas forcément très intéressant. Je crois que la prochaine fois, quand je ferai ce genre de choses, je ferai euh, une grosse coupure. Comme ça, vous vous attendrez pas comme ça, comme. Euh... Parce que là, l'épisode n'a pas forcément d'intérêt pour le moment. Mais bon, ça va arriver. Ça va arriver, on y est bientôt. J'ai envie de me prendre du lait. Je vais, je vais boire du lait, je crois. J'ai soif, j'ai besoin de boire du lait. C'est trop bon, le lait. À boire, euh, pas à boire le matin, j'aime pas trop boire du lait le matin, j'aime pas trop manger le matin. À part un croissant, c'est peut-être pas mal vu que j'en ai un peu chez moi. Mais euh, boire du lait euh, le matin, c'est pas forcément mon truc. Les préparer Les orthodoxes. Ok, alors là. Euh... Ah, on a un petit problème. Il y a un bug. <laughs> euh, bon, on va passer une semaine, écoutez. On a quand même 1% de déficit. Hmm. C'est pour ça qu'on touche à rien maintenant. On fait rien. On attend la nouvelle année, comme ça on va repasser normalement à une croissance positive. Calcul en cours. Encore s'il vous plaît. 22. Attendez, mais je crois que je me suis... 23, ça fait 2 jours. 24, ça fait 3 jours. Joyeux Noël au passage. Bah ben alors. 25. 26. 27. Et normalement, 28. Parfait bon non, là normalement le premier rang là c'est bientôt on a 1,20 on va faire de la dette bon pff, comme d'habitude euh, ça sert à rien de se tramer les fesses on a une croissance dégueulasse bon voilà on va pas chercher plus loin D'ailleurs, ils ont été construits ou pas encore Ah, ils sont pas finis. Hein. Ah, enfin Logement insalubre. Ah ouais, finances publiques, paf. Comment ça se fait que la dette a augmenté What j'ai pas compris. Attendez, ma croissance, elle a pas redressé oh, Mon dieu, c'est la pire chose, c'est la pire chose que j'ai pu faire. Va-t-il falloir baisser le salaire Oh, yes, oh merci, merci, je vous aime. On est repassé à 8% de croissance. Voici oh. oui, donc. Oui, 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 attention déficit. Ah. Hein Moi je suis content d'avoir 8%. <laughs> oui, voilà, là c'est bon. Là on peut commencer à, à, à redevenir sérieux et à éviter d'augmenter le salaire un milliard de fois. Mais c'est quoi qui a augmenté en fait L'assurance chômage Il a que ça qui a augmenté On est quand même à 12%. Sachant qu'ils ont un RSA. Oh Tout cet argent si je n'avais pas mis le RSA. Ah, bah ça diminue fortement là.

Presque 2 milliards. C'est pas possible, c'est pas, pas possible que ce soit presque 2 milliards. Euh, dette publique. Non, c'est dans budget. C'est quoi la dette Elle est à 51 milliards. Putain. J'ai... Waouh. J'ai fait exploser la... La dette. 181 par contre notre croissance en pâtit mais elle est toujours aussi forte mais comment ça se fait le taux de chômage il est toujours c'est ça qui diminue mais le taux de chômage il mais c'est pas logique bon on, on va laisser pour le moment on laisse un petit peu on les laisse réfléchir voilà on, on laisse travailler l'ordinateur alors cet épisode va vraiment être un épisode où on fait à peu près rien, mais on, on, on essaie de rien faire, justement. On laisse GPS-4 faire tout. Parce que sinon c'est nous qui, va, qui allons mourir, tout simplement. Euh, L'inflation augmente. 7,50. Au niveau de la scolarité, ça donne quoi on est quand même à 99% Putain, les mecs Maroc aussi Ah non, presque Ah, vous y êtes presque, hein. la Tunisie. On est quand même le pre premier pays africain. Donc, ça, c'est une bonne chose. Euh, puissance économique. C'est bon, on arrive En route Criminalité. Y a pas de. MDR Y a zéro Ah oui Ah <laughs> oh, c'est trop bien Bah voilà Nos dépenses publiques des dé et pendant ce temps, nos recettes augmentent. On est quand même passé de 8% de croissance à 7%. Hein. Ça fait quand même mal. Hein. Doit-on augmenter la TVA Mais Si cela est obligatoire, oui, on va devoir augmenter la TVA. On va faire comme l'Ukraine. Ça va être à 28%. À 22. Ah, Tout est en train de diminuer. Est-ce que c'est par rapport à la monnaie aussi L'inflation. Ben, L'inflation, elle diminue aussi un peu. Hein. La croissance, pareil. Oh. En plus, nos recettes augmentent. Les dépenses diminuent. Excusez-moi si je touche mon micro. Allez, on peut le faire, les mecs. On peut le faire. Et d'ailleurs, il y a combien de chômeurs il n'y a encore que 10%, 10 de chômeurs. Mais il y a beaucoup de chômeurs. Mais baissez-moi ça, s'il vous plaît. Il y a trop de chômeurs. Il y en a beaucoup trop. Non, mais 10% de chômeurs. Allô C'est énorme. On ne se rend pas compte, mais... C'est quand même 10%. Et là, il y en a combien 10, 21. Par contre, ça, dé... 10, ça descend... Hyper vite, donc si on est à 3, 2%, 3% de chômeurs, euh, j'imagine même pas combien d'argent on aura. Ah, les finances publiques diminuent, enfin les dépenses, et ça c'est une excellente chose. Il faut que ça descende, il faut que ça, ça diminue. Et ça c'est une bonne chose. Par contre, j'avais pas remarqué, mais regardez, on a de plus en plus de fonctionnaires. Après c'est normal, j'en recrute plus. J'ai recruté plus de, de profs. Qu'est-ce que j'ai recruté? J'ai fait plus de, de militaires aussi, si je dis pas de bêtises. Euh... Enfin bref, vous avez vu, on a, on a fait beaucoup de choses. Ce qui est signifiant. C'est tout à fait normal que l'on paye. Enfin... C'est normal qu'il euh, y ait de plus en plus de, euh, de, de fonctionnaires par rapport à la population active. Attention, active. Euh, 0,67 et là le chômage il est à combien Il est à 10 Je si sais, je dis allez, on, il est à 10 On va, voilà, on va faire une, euh, on va généraliser. Donc bon, ça c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Alors là, franchement, parfois, voilà, voilà ce qu'il faut faire aussi sur GPS4. C'est aussi un jeu où vous devez presque rien faire parfois. Parce que vous, vous diagnostiquez un petit peu votre travail, de ce, que, de ce que vous avez fait, et des fois, vous devez rien toucher. Comme ça, tout, tout va bien se passer. Sinon, bah, ça se passe mal. On va pouvoir aller à 72, on est déjà à 71%. Euh, économie puissance économique on a dépassé la Birmanie la République dominicaine par exemple vous voyez moi je voudrais être au niveau 100 je voudrais être au niveau de euh, de l'Algérie de l'Angola quoi c'est déjà pas mal si on est à 100 putain euh, l'Égypte est en train de dépasser le Nigeria waouh L'Égypte va devenir la plus, la plus grande puissance économique dans, sur le territoire. Je tiens à ah, prise de L'enlèvement. Ok, je peux rien faire. Mais voilà, euh, là on est en train de patienter. Patientons, patientons. Patientons, 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 papa, patientons. Ouais, 30 jours. Je peux toujours rien faire. Je... La politique d'incapable, ça suffit. En fou. 1,40. quarante. Ok, d'otage. Ok, on fait attention. Un quarante-quatre. Travail. 9%, on est à 0,15. C'est bien ça. Je vous l'ai dit, il ne faut pas toucher parfois. Hein. Vous ne touchez à rien, ça baisse. Tout seul. Et c'est une bonne chose. Et c'est une bonne chose. Là, par exemple, on fait rien. Et c'est ce qu'il faut faire. Et parfois, on est obligé de rien faire. Donc là, on ne fait rien. On attend. On est patient. Gabégie gouvernementale, si tu veux. Normalement, on va être en surplus dans quelques minutes. Donc voilà. Ce que vous croyez de GPS4, c'est qu'il faut toujours faire, faire, faire. Non, il faut parfois ne rien faire. Et parfois laisser le jeu. Quand vous le sentez, vous devez laisser le jeu travailler tout seul. Là, par exemple, je suis en excédent budgétaire. Je laisse le jeu bosser. Euh, il bosse. Je lui ai fait bosser. Je lui ai euh... fait bosser. Maintenant, bosse tout seul. Ah. 11%, c'est bien. Donc là, on va pouvoir rémunérer notre dette, parce qu'on a fait, on avait eu un gros coup de déficit. Donc là, moi, je vais vous dire. Euh... Je vais vous dire, moi je compte ne Détruire ma dette Je veux plus qu'on ait de dette C'est mon objectif De plus avoir de dette Et pour ça il faut avoir une croissance Qu'elle soit maintenue d'ailleurs L'organisation terroriste est assoupie ah si, c'est une organisation terroriste. Face à cette menace Je dois vous... Wow, ouais, une petite crise, hein. Prise d'otage. Ah d'ailleurs, c'est quand la prise d'otage que c'est fini Je n'ai aucune idée. Hum. Euh. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Bon. Alors je ne sais pas que... Il est 20 minutes, 20 minutes où on fait presque rien. On a laissé le jeu faire. Vous avez vu, vous avez compris que parfois GPS-4, je vais laisser l'épisode comme ça, comme tel, mais c'est pour vous montrer que GPS-4, des fois, il ne faut rien faire. Votre politique a tellement bien fonctionné. Vous avez tellement bien travaillé votre politique que ça ne sert à rien de bosser. Euh, et ça va augmenter tout seul. Et c'est ce que je fais là actuellement. Donc, nous, on se retrouve pour un prochain épisode. Euh, je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas d'aller sur ma page YouTube, de laisser un commentaire, de laisser un like aussi. Ça peut m'aider fortement. Et tout un tas de choses. Vous le savez, vous avez l'habitude. Donc bon, on se retrouve pour un nouvel épisode. La fois prochaine. Allez, ciao tout le monde.